We are in front of St. James Cathedral, so people usually identify the Armenian Quarter with the Cathedral of St. James, and this is where the head of St. James, according to tradition, is here, and there is a chapel here which is from the 5th century, but the main part is a medieval cathedral which dates back from the Crusader period. So the Armenians have been in Jerusalem since the adoption of Christianity in their country as a state religion, 301. So they have been coming to this land as pilgrims, and as pilgrims they had to have a accommodation to stay. Every community went to its own monasteries, and Armenia being in Asia Minor, there was a constant flow of pilgrims, and so they came sometimes in their hundreds, and some of them stayed, and so the history of Armenian community in Jerusalem continuously is from the year 400. Also an additional vocation we have is to take care of the holy places, so we are now one of the three custodians of the holy places, like Holy Sepulchre, Nativity, etc. So this puts on us added obligations, but we have also institutions. We have libraries, we have printing presses, we have schools, seminaries. So there is spiritual institutions, cultural institutions, and this is a repository of Armenian culture. We have to be busy all the time, and we have to receive many pilgrims and cater to their needs. So we are very conscious of their desire to come to Jerusalem, but it's 24-hour job. The Armenian Quarter, compared to other quarters, is a different quarter in its character. So it was not planned to be an Armenian quarter. As you know, the Christian quarter is around Holy Sepulchre, the Muslim quarter is around the Dome of the Rock, and there is a Jewish quarter. So this I would call an Armenian neighborhood. But as the map is based on quarters, so the name is Armenian Quarter. But one thing which is different from other quarters, we don't have business here, we have no economic life, we have a collective life with many fields for sport, educational facilities, but we work in town, but here you don't find business. So it's more a residential quarter, unlike the others. Le quartier arménien, il a peut-être 30 cours, et chaque cours a son caractère. Aussi, on décrive sur Jérusalem que c'est une chaîne des écuries où alors les pèlerins venaient avec leurs chameaux et avec leurs ânes. Alors, il fallait des places souterraines des écuries. Dans le quartier arménien, on a au moins une quinzaine des écuries qui sont maintenant transformées en des centres communautaires, etc. Mais à Jérusalem, il n'y a pas beaucoup d'architecture civile. C'est plutôt architecture, ecclésiastique. De point de vue de préservation ou conservation de la infrastructure de dernières mille années. Dans le quartier arménien, on peut trouver que beaucoup de choses sont intactes depuis des siècles. Et Jean, je te disais, toi, tu habites dans cette grande cour? Oui, j'habite, oui. Combien êtes-vous habité ici? Dans le couvent, il y a 400, et dans le quartier, 1200. C'était une toute petite ville et
la technologie et de, comme hôpitaux, les services médicaux étaient absents, comme il était comme un village. Alors, les Amiens ont introduit l'imprimerie et aussi la photographie dans cette cour. Alors, c'est là que, en 1833, on a commencé avec à imprimer, et dans l'autre cour étaient les studios de photographie depuis 1855. Entre 1820 et 1914, fois 10, quoi. C'est passé de 6 000, tu dis, à 60 000. À 60 000, oui, oui. But it was, c'était l'expédition égyptienne, Ibrahim Pacha. Alors, Palestine était ouverte à la, à des Européens. Et la ville a sorti des murs. Hein? Alors, la ville a étendu au-delà des murs. Alors, comme ça, la population a monté. Il y a des descriptions de la quartier arménien. On met l'accent que le quartier arménien a des grands cours spacieux aussi et beaucoup de jardins. Hein? Alors, encore, il reste beaucoup de petites forêts et jardins. Il est très, vert. Alors, la superficie du quartier arménien, c'est 1/6 de la ville. C'est plutôt des institutions, mais après le génocide, les réfugiés ont venu. Alors, le couvent a donné l'asile à des... Mon père était de Cabados, alors je suis première génération née dans ce quartier. Mais il y avait une population arménienne locale depuis des siècles, mais ils vivaient en dehors de la mur de la couvent. Mais les gens qui vivent dans le couvent sont des enfants descendants des réfugiés qui sont venus après le génocide. Ton père est arrivé ici en quelle année? 1926. Il était en Syrie, après au Liban. Il a enseigné à Saint-Joseph, l'université. Et après, il est venu à Jérusalem. Oui. I mean, pendant la guerre, vous ne pouvez pas venir parce que les Turcs étaient ici. Oui. Ouais. Et après la guerre, 1918, oui, alors, c'était le mandat anglais et français. Et il y a une bibliothèque très fameux, avec 4 000 manuscrits. Il y a à peu près une centaine de manuscrits médiévaux qui sont importants aussi du point de vue textuel et aussi du point de vue de l'art. C'est une grande collection et très important pour des savants et historiens de l'art. Alors, il y a une autre bibliothèque qu'on appelle la bibliothèque Gulbenkian, qui est générale. On a ici 120 000 livres dans toutes les langues, et ici sera la musée. La musée sera, il va décrire la présence arménienne à Jérusalem, l'art arménien à Jérusalem et l'histoire des Arméniens qui étant 3000 années. Alors, nous étions aussi au temps romain ici, avec la géographie proche de l'Arménie et Palestine. Alors, on pouvait venir du sud de Turquie. Alors, l'Arménie était très proche. Alors, comme on connaît, au Moyen Âge, il y avait un royaume d'Arménie qui était autour de Méditerranée. Et le royaume des croisés et l'Arménie a eu très étroit rapport. Et les trois reines de Jérusalem, première reine de Jérusalem du période croisée, étaient d'origine arménienne.
le plus important était Mélisande, qui a construit Saint-Sépulcre, tombeau de Vierge et des autres, et elle a aussi contribué à l'urbanisme de Jérusalem. C'est l'ancien séminaire et on a quatre espaces comme ça pour des activités sportives. Alors tous nos jeunes et des autres équipes peuvent jouer dans notre quartier. Hein. Des gens de Uno, oui. Alors c'est la, comment on dit, l'association de l'aide italien qui a fourni ah oui. cette... C'est tapis, c'est tapis. J'étais ici jusqu'à la fin de l'élémentaire et après aller chez les frères pour apprendre français. Mais nous étions tout près de la porte de Sion, comme vous voyez. Et quelquefois, il y avait des échanges de... Oui, si quelqu'un traversait la zone de... Oui, alors nous étions peut-être... 100 mètres de la frontière. Mais c'était un tir, quoi. C'était, oui. Alors, mais en général, c'était calme. Hein? Ouais. Sauf quelqu'un qui traversait sans savoir la région, oui. Mais, ou quelquefois, si un chat sautait sur une mine, oui. Alors, toutes les fenêtres, quelquefois. Mais en général, c'était calme. Moi, j'étais ici dans la période jordanienne, oui. Et tu étais ici en 67 lors de la... Moi j'étais à l'université.